vous avez joué le jeu à fond, vous avez même ouvert la marque. Voilà, comment vous avez vécu ce match avec des enjeux différents pour les deux équipes ? Non, ce match a bien commencé pour nous, on ouvre le score rapidement, mais on en prend un juste après, donc forcément que ça on a mal géré là-dessus et on s'en reprend un deuxième pas longtemps après, donc ça nous a un peu mis la tête dans le seau, mais on a quand même montré de bonnes choses ce soir. Et ouais, face à une équipe compliquée à jouer, qui avait l'envie de monter aussi en Ligue 1, donc forcément que aujourd'hui on s'incline, mais on va garder quand même ce qu'on a fait de bien, parce qu'en face c'était quand même une équipe qui jouait, ça montait en Ligue 1, donc voilà. Est-ce que c'est pas finalement un peu le pire des scénarios, arriver à marquer comme ça, ouvrir la marque et reprendre quasi sur le coup d'envoi une égalisation, ça fait mal? Ouais, ça fait mal, et ouais, c'est le pire scénario pour nous aujourd'hui, mais malheureusement c'est comme ça et faut passer au-dessus. Bon, tu continues à faire tourner ton compteur but, c'est le sixième, ça se passe bien de ce côté-là? Ouais, ça se passe bien de ce côté-là. Après, j'aurais été encore plus heureux si forcément on aurait ramené les trois points, mais c'est un but en plus, c'est vrai. Et voilà. La semaine prochaine, le HAC va à nouveau avoir ce rôle d'arbitre face à Auxerre, qui est justement à la lutte avec Ajaccio. Il va falloir continuer à jouer le jeu comme vous l'avez fait ce soir, parce que ce soir, vraiment, vous avez donné du répondant. Ouais, on a donné du répondant, et la semaine prochaine, on va aborder le match comme on a abordé aujourd'hui. Et on va bien travailler cette semaine pour bien finir la saison.